C'est toi qui me diras peut-être. Non, non. Est-ce que vous pouvez marcher, s'il vous plaît? Le 6. Le 6. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, revenir bien face à nous? Ah oui, pardon. Il peut être comme ça, par là, et c'est Ozak, ici. Jean Philippe Raoult, un jeune éleveur à grand succès, aujourd'hui, une fille de Magic Dream. Voilà, tout cela est parfaitement organisé. Les chevaux sont présentés devant trois juges. Voilà. Elle nous est présentée par le hara, les K, attention, avec seulement un K, et non pas CAS. Et c'est une Magic Dream, donc sa dessin, cette petite pouliche, elle est le 22 avril. C'est faux, hein, pas les maires, dans le temps on jugeait les maires, maintenant on juge les faux. Et elle est issue de Diane Bourgeoise, une souche que l'on connaît bien. Puisque pour ceux qui ne donc pas cette info, c'est une souche élevée l'harmonie et la masse physique de l'élément qui est présenté, mais aussi ses allures. Il est bien souple, il est bien et bien droit dans ses aplombs. Alors là, c'est la partie plus rapide. Évidemment du concours, parce que les rôles sont lâchés en liberté. Autre manche, tout à fait librement. L'âge arrivant, en France avant, ne sont pas forcément et c'est une souche de moins en moins attachés à leur mère. Qui est élevé par monsieur Delège à l'époque. Si vous regardez, petite pertresse et la fameuse orgère qui s'était illustrée.